moi quand je traîne avec mes copines fraîches. Il y a toujours. Et souvent, la stratégie chez l'homme, c'est d'être copain avec la moche pour ensuite pouvoir approcher les belles. Ah, c'est la technique ultime. Parce que la moche, elle te repoussera jamais. Hein, boss? Oui, je suis d'accord. De toute façon, t'es d'accord tout le temps avec ce que je dis. Bon toutou, gros. Quand on apprenait le verbe pouvoir au passé simple et que la prof disait vous pute. Yo les potes, c'est Tonio, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis accompagné de mon petit frérot, boss. Salut les petites piscottes. Qu'est-ce que tu nous fais? Je sais pas, gros, j'ai... Je sais qu'on se rapproche du mois de décembre, c'est bientôt la nouvelle année, les résolutions et tout, mais tu me fais pas des bails comme ça, mais... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, gros, je... Ouais, non, excuse-toi auprès des abonnés, parce que vraiment, c'est pas bien ce que tu veux. Franchement, je m'excuse, les gars, c'est les hormones. Bref, la page est tournée, vous savez quoi? On passe à autre chose, donc, on va bientôt changer d'année. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on fait le bilan. On fait le bilan, mon pote. Le mois de décembre, c'est le moment de se remettre en question sur toute l'année. Et donc, aujourd'hui, on va regarder une petite compilation des 100 meilleurs mèmes de 2018. Eh oui, mon pote. Parce qu'on en a eu, il y en a eu des choses dans cette année. Franchement, c'était une bonne année. Si vous vous souvenez l'année dernière, en 2017, qu'est-ce qu'on avait eu qui nous avait marqué? Le turc, là, comment il s'appelle? Salty? Ah oui, celui qui fait comme ça là et sur la viande. C'est ça. Après on avait eu le même en 2017, vous savez, le mec qui met le doigt sur la tente qui lui dit hein. Après il y avait la meuf qui dit je suis pas venu là pour souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Et le mec qui dit appeler les Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. Enfin voilà, il s'était passé plein de choses, il y avait le truc de Perlimpinpin. C'est de la poudre de Perlimpinpin. Et ben donc là aujourd'hui on va regarder une compilation des meilleurs mèmes qu'il y a de 2018. C'est parti, let's go. Boss, est-ce que t'es prêt mon poteau? Je suis chaud gros. Mais chaud comment genre? Je suis chaud comme trop. Ok, let's go. Moi dépensant 30 euros dans quelque chose de complètement inutile, VS moi quand je dois dépenser 10 euros dans un truc hyper utile. Non mais c'est totalement ça. On aime dépenser notre fric dans des trucs qui servent à rien. Toi t'es en plus t'es le spécialiste. Gros, je suis le spécialiste, c'est à dire moi dès que j'ai de l'argent je dépense dans des tacos. Après y'a plus rien gros. Quand il va falloir commencer à étudier à une semaine des examens. Alors là gros c'est totalement ce qui va se passer. En plus là c'est avant Noël. La boss, tu me confirmeras, on est vraiment dans la période des examens là un peu. Ah mais là gros c'est la hesse hein, je te le dis clairement. Non parce que moi je me souviens les profs, ces enfoirés hein les profs, s'il y a des profs qui regardent mes vidéos. Tout le temps, ils nous sortent la même excuse, ils nous font ouais, non mais les gars, on va vous mettre des examens avant Noël parce que je sais que pendant les vacances de Noël, vous foutez rien, du coup c'est trop difficile à la rentrée, donc on vous met ça avant. Donc ça c'était un des mèmes du mois de mai quand... Ah putain, je crois que c'est quand la Ronaldo a mis sa retourne acrobatique. Ça c'est un des mèmes du mois d'avril ou du mois de mai, ouais. Avec putain. Zidane là qui dit oh putain, et après il fait... Quand tu ouvres la caméra frontale par accident, et là gros tu vois une grosse statue énervée, laisse tomber. Elle a un front avec un quadruple menton. Non mais c'est exactement ça. Mais je te dis c'est pour ça que je kiffe ce genre de vidéo, faire le bilan de l'année comme ça, tu tombes toujours sur des petites perles. Celle-là elle a tourné. Quand le prof passe sa diapo alors que j'ai pas fini d'écrire. Ça va pour une fois que l'Assemblée nationale elle est remplie. Quand tu commences à tousser de plus en plus et que tout le monde te regarde. Gros tu commences à transpirer, je te jure, t'as des larmes, t'as du sang qui sort ta bouche. Et le pire c'est quand t'as envie d'éternuer mais que ça vient pas. Putain, t'as envie de pleurer, t'as les larmes qui viennent. Ouais. Ah c'est horrible. Quand t'essayes de dormir 8 heures par jour, d'aller en cours, de réviser, de manger sainement, de faire du sport, de suivre tes séries, d'avoir une vie sociale et de profiter de ta vie sans stresser, mais qu'il y a seulement 24 heures dans une journée. Non j'avoue c'est impossible. C'est impossible de faire ça. E vs moi. Ah ça c'est vrai gros. Moi je suis un bouffeur, je te le dis. J'ai la dalle constamment, ce qui fait que je touche plus souvent le frigo que... Ouais. Ah c'est sûr que tu touches plus souvent le frigo que tu touches deux meufs, mais après... Putain, mais le Bob l'éponge, on le retrouve partout, c'était vraiment le même de avril 2018. Moi, après avoir réussi à esquiver une question sur mon état mental, grâce à mon humour et mon son et mon second degré légendaire. Il est recherché, lui. Il est soulagé, hein. C'est comme après l'épreuve du bac, t'es soulagé, c'est pareil. Quand je fais une blague pendant une embrouille pour détendre l'atmosphère, et que j'empire la situation. Ah! Ça me rappelle le mec qui avait fait une blague pendant un repas, puis au final ça avait créé un malaise de ouf. Aïe, coup dur pour Guillaume. Quand tu t'assois au fond de la salle, mais que tu as oublié que tu étais mieux. Ça c'est moi ça, parce que je suis un peu... Ah ouais. Quand tu as enfin un CDI et que tu peux faire ton premier enfant. Les bâtards. Ah c'est vrai qu'avec l'âge de la retraite qui est de plus en plus tard, bientôt on va devoir travailler, on aura cet âge là. Hein. Quand ta sieste de 15 minutes se transforme en un coma de 3 heures. Putain, y'a rien de pire. Non mais n'empêche c'est ça, ne jamais dormir trop longtemps l'après-midi, parce que je te jure que tu te réveilles plus fatigué que tu t'es couché. Quand tu manges chez ton pote et que t'entends sa mère dire « Encore lui, il a pas de maison ou quoi ?» T'es pas la tête du grenois gros. Mais il est pas serein, non ça se voit. Quand l'annonce indique « Petit studio lumineux à Paris ». Non mais gros, la fenêtre, il fait la taille de ma caméra. Gros, c'est une équerre le bordel. Ah, il fait la taille d'une miniature YouTube, mec, non, laisse tomber. Votre colis a été expédié, moi. Boss, t'es comme ça devant le colis que je t'ai envoyé ou pas? Ah gros, là, hey, carrément, je vais venir chercher à la poste, y'a quoi maintenant? Les bâtards. Crush, j'aime trop les mecs avec des montres. Moi, elle est énorme celle-là, gros. Et gros, il a le bras d'Iron Man maintenant, je te jure. C'est une armure le bordel. Quand je vois une vieille dans le bus et que je suis assis... Celle-là, c'est tellement ça. Gros, je te jure. Il faut absolument éviter tout contact visuel avec cette personne.
Et puis t'espères que c'est une autre personne qui va bouger ses fesses, c'est ça? Franchement, tu fais partie de la classe des mal éduqués, toi. Et je vais envoyer un SMS à ton daron, je vais lui dire de te priver de PS4, tu vas voir. Quand le coiffeur vient complètement de te rater et qu'il te montre le miroir en disant c'est bon. Et gros, tu sais que je reviens du coiffeur là. C'est vrai? Monte ouais, ta coupe. Parce que je sens t'as mis une casquette. Ah non, justement, gros. Moi, je suis genre de montré. Mec. Ah ouais. Et gros, je vais te donner une petite technique entre youtubeurs. À chaque fois que tu reviens du coiffeur, fais tes miniatures. Parce que tu seras jamais aussi frais que quand tu reviens du coiffeur. Je te glisse ça, tu prends ou tu prends pas, voilà. En même temps, en hiver, heureusement que t'es frais, quoi. Ouvert il y a 15 minutes, moi en attendant la réponse. Gros, moi j'attends plus. Ça, c'est les meufs, ça, c'est un truc de. Toujours. Quand t'as passé un super moment et que tu reviens dans ta vraie vie, toute merdique. Ouais, mais ça c'est pour les personnes qui sont en marge de la société, si tu vois ce que je veux dire. Oh, oh. Putain, t'es recherché. Moi, quand je traîne avec mes copines fraîches, il y a toujours. Et souvent, la stratégie chez l'homme, c'est d'être copain avec la moche pour ensuite pouvoir approcher les belles. Ah, c'est la technique ultime. Parce que la moche, elle te repoussera jamais. Hein, boss? Oui, je suis d'accord. De toute façon, t'es d'accord tout le temps avec ce que je dis. Bon toutou, gros. Quand tu cherches mieux que moi. C'est sur YouTube. Quand tu cherches mieux que moi, voilà. Oh! Ma pote, j'arrive pas à trouver son profil sur les réseaux sociaux, moi. Ça c'est les filles, ça, directement. Ah gros, elle te stalk jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi de l'extérieur vs moi de l'intérieur. C'est une géote, ça. Ah gros, c'est une pépite. Ouais, non, mais là en gros la blague c'est qu'il est moche de l'extérieur et beau à l'intérieur, quoi. Ça rejoint aussi le salamèche de tout à l'heure, putain, mais tout est lié. Ça fait un triangle Illuminati. En plus, dans mon décor Illuminati, attention. Ça va, les révisions, moi. Ah ouais, putain, c'est plus des cernes, c'est des poches d'eau, carrément. C'est des valises, tu peux rentrer tes affaires dedans, je te jure. Ah, tu peux partir en vacances pendant une semaine, là. Ah, c'est des cloques, carrément, tu les perds s'il y a de l'eau qui sort. Quand t'as envoyé ton message récier et que t'attends la réponse. Ah là, il y a besoin d'oxygène. Ah là, faut être oxygéné un petit peu du cerveau. Prends pas de ticket, il n'y a jamais de contrôleur. Bonjour madame et monsieur, petit tour de transport s'il vous plaît. Non mais c'est toujours comme ça. C'est toujours quand tu t'y attends pas. Après moi j'ai de la chance, j'ai la carte. Donc je suis jamais, tu vois, je suis toujours dans les règles. Donc toi quand tu vas à l'école, t'es comme Dora, quoi. T'as la carte et tout. Je suis la carte. Quand j'essaye de me séparer de personnes toxiques. Ah ouais, c'est toujours compliqué. C'est quoi qui étire? Je sais pas, sûrement un bout de fromage. C'est un nuggets, gros. C'est un nuggets? Mais il a du diabète, le nuggets, quoi, gros. Quand la prof d'anglais disait a little bit au collège. Non mais ça c'est la base. C'est comme aussi le mot, écoutez-moi bien, le mot cordon bleu. Quand il disait machin, you are a cordon bleu. Enfin ça faisait comme ça, moi je me suis dit je m'étais tapé une barre après. Peut-être pas vous, peut-être que c'était que nous, que notre classe, mais bon bref. Quand on était au collège, on était quand même des gamins. Tu rigoles pour rien, c'est la meilleure période le collège, je te jure. Collège-lycée, gros, tu t'en rends pas meilleur, compte, profite. Mais pire aussi. Profite, ça jette des poubelles au-dessus du lycée, enfin par-dessus les rambards du lycée, gros, tu verras. Le lycée c'est la meilleure période. Quand ma mère me voit, quand je lui installe des applications ou que je répare Free en la débranchant et en la rebranchant. Ah c'est trop ça. Non mais hey, les gars, faut se dire un truc, un bon informaticien, c'est un informaticien qui sait bien utiliser Google, c'est rien plus que ça, hein, je vous le dis. Quand on bloque, éteins un deuxième compte. Mais elle est énorme. Elle est énorme. Comment tu fais pour être... Genre gros, je t'explique, nous au collège, les trucs là, c'était vraiment des feuilles de calme. C'est-à-dire, tu te mettais dessus, ça cassait. Elle est posée au calme. Elle doit faire un 24 heures enfermée dans le collège à la Ibra TV. Ah ouais, bien. Quand le prof te regarde, mais que tu dois finir de raconter ton histoire. c'est ça, c'est ouf. Quand je m'aperçois que je viens d'envoyer le screen d'une conversation à la personne qui est sur ce fameux screen. À l'heure actuelle, Macron, il fait la même tête. Quand il va voir débarquer les gilets jaunes demain, il va faire la même tête. Quand on apprenait le verbe pouvoir au passé simple et que la prof disait vous pute. Je sais pas si tu vas me croire, mais je me rappelais même plus de ça. Genre là, si je te disais tout de suite, tu me conjugues le verbe pouvoir au passé simple, je pense que jamais t'aurais trouvé. Bah ouais. Logique. Moi, quand je regarde des gens qui ont pas d'examen et pas de révision à faire s'amuser en plein soleil. ça, c'est les secondes là qui sont dehors. Et tous les mecs de première et de terminale, ils sont dedans. 3 mois de vacances, gros. Ah, la seconde, c'est la meilleure année. Vraiment, c'est la meilleure année. 20 mai, t'es en vacances carrément. Quand je fais un paiement en CB et que l'autorisation en cours commence à être long. Tu veux une petite anecdote, gros, ou pas? Quoi? Il y a une semaine, j'allais à la boulangerie. Je mets ma CB comme à chaque fois. Et là, je vois quoi, gros? Paiement refusé. Je regarde la dame et tout. Et je lui dis, elle a un problème, votre machine? Elle me dit non. Du coup, je suis reparti et tout. J'avais grave line. Ah, mais non, mais c'est la honte. Enfin, après, quand il y a personne, ça va. Mais quand il y a du monde, c'est tombé. C'était bondé, gros. C'était bondé. Surtout que j'avais fait la queue pendant 15 minutes. Moi, après avoir révisé pendant 5 minutes. Ah ouais. Mais elle est pas habillée pour réviser. Elle est plus habillée pour sortir, je trouve. Elle va en soirée ou quoi? Réviser, c'est pas des soirées. Hein. Ce que je dois réviser, vs ce que je vais réviser. Ça, c'est tout toi. Ça se passe comme ça. Ah, mais de ouf. Quand ta daronne te dit, t'es magnifique. Merci, maman. T'es pas ses oreilles, on dirait des chips. Non mais mec, combien de fois j'ai vu des meufs sur Twitter dire ma mère elle me dit tout le temps une fois que j'ai acheté une tenue, est-ce que tes copines ont dit que t'étais belle? Non mais vas-y, on s'en bat les steaks, enfin raconte pas non plus trop ta life.
Moi, face aux semaines qui vont suivre. Ah, jusqu'à Noël, ça va être comme ça, les gars, je le sais. Franchement, je suis avec vous. Moi, quand on me dit que j'avais raison. J'ai pas bien compris, là. Bah, en gros, c'est le cerveau qui la soulève. Ah oui, d'accord. Non, c'est subtil, c'est fin, c'est raffiné, c'est de l'art. Parce qu'en fait, si t'as pas compris... Oui, c'est bon, j'ai compris, gros, t'inquiète, c'est le crâne. C'est une métaphore, gros. Ça veut dire qu'il l'a baisé avec son esprit. Bon les gars, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vraiment vous avez aimé, on peut vous refaire pas mal de petites vidéos comme ça avec des mèmes ultra drôles, etc, etc. Bref, je suis accompagné de Boss. Sa chaîne sera en description, il se rapproche des 100 000. T'auras peut-être même les 100 000 à ce moment-là. Bref, je te laisse le mot de la fin, peace, love, kiss, à la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc, etc. Bref, peace. Bref les gars, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, tu connais. Bref, bisous. Et n'oubliez pas, moins 5% chez Burn Controller avec le code Tonio. Et moins 3% chez G2A pour des jeux pas chers. Bisous.